de Jamie. Je crois que j'ai oublié mes chaussures. Mais on va décortiquer mon match, on va voir mon match comment il s'est passé, on va voir vraiment s'il y a de la progression, mon ressenti et autres, s'il y a eu du gros dunk. Et voilà, maintenant n'oublie pas de mettre le petit like, franchement ça se fait plaisir, un petit commentaire genre ouais j'adore ta moustache, on dirait un mexicain, t'as compris. En tout cas j'espère qu'on sera de plus en plus, on est bientôt 70 000, merci 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 du fond du cœur. Yo la famille, c'est parti, mon premier match, franchement, il n'y a pas de stress, c'est parti, c'est le premier match, il faut le gagner, comme vous le savez, l'objectif, bah, c'est de monter en N2, donc déjà, si on perd celui-là, ça va être compliqué, mais en tout cas, on va rester positif, il faut gagner à tout prix ce match-là, vous avez vu dans mon dernier vlog, donc le dernier vlog qu'on a fait, bah, y avait quelques petits soucis au niveau de la défense et tout ça, au niveau de l'entraînement, que j'avais du mal, j'ai besoin de renforcer ma jambe. Besoin de renforcer ma jambe, reprendre un petit peu confiance avant ce match-là. Donc c'est pour ça que je vous emmène avec moi un petit peu à la salle. Est-ce que je vais aller bosser un petit peu? C'est pas mal que vous puissiez regarder ce que je fais, tu vois. Tu vois, ça c'est cool. Tu vois, tu vas pouvoir voir si je suis avec une go à la salle de basket. Tranquillou, tu vois. Mais non, non, on va jouer sport. Non, donc voilà, donc je vais renforcer ma jambe. Tout honnêtement, on va faire du vélo, on va faire de la presse et tout ça. Et puis voilà, vous allez me suivre jusqu'à mon match. Et puis à mon match, et ben, on viendra tout simplement décortiquer un peu tout ce qui était pas bien, ce qu'il faut que je corrige, ce qu'il faut pas que je corrige. Et puis voilà, les temps forts, les temps faibles, s'il y a eu du gros dunk. Ah, le président. Ah oui, monsieur Macron. Ah oui, que voulez-vous? Ah bah non. Allô? Oui, bonjour. Oui. Monsieur Gabin? Oui. Oui, monsieur Laurent, bonjour. Bonjour. Jean, je suis Sarah Dapinicia. Nous vous avons proposé il y a quelques temps du bilan comparatif avec une sélection de fournisseurs. Et vous avez souscrit un contrat avec le fournisseur Total Energy. Oui, et ben là je suis désolé, je vais au sport là. Sinon, alors, je vais juste prendre un maximum 5 minutes de votre temps, je serai dans la séquence. Non, bah ben là c'est, je suis obligé parce qu'en plus je fais un vlog là donc. Voilà. Bon, au revoir. Au revoir. Laissez-moi aller faire mon sport, les gars, on va pas se laisser embêter. Allez, c'est bon, ciao, au sport, les gars. Donc là, les gars, je fais toujours mon petit départ ici. Je me mets pas sur les autres vélos parce qu'en fait, faut être debout, puis ça fait mal aux fesses. Que là, j'ai un bon petit siège, je suis tranquille. Je peux mettre un petit filon en même temps et boum. Donc ça c'est vraiment pour réchauffer toutes mes jambes en fait. Et j'échauffe ça, je monte un petit peu le niveau juste après. Et puis une fois que je suis bon, bah, je vais aller un petit peu sur la presse parce que comme je vous ai dit, il manque beaucoup de force là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça manque beaucoup. Du coup mon genou il est plein d'eau, ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs je mets le petit truc Insta là, n'hésitez pas. Voilà, je m'en fais un petit peu de pub. Mais voilà, t'as compris. Donc c'est parti les gars en tout cas. C'est une salle de sport tout simplement qui est disponible donc à Poligny. Donc ceux qui sont vers Poligny, il y a tout. Tapis, montée d'escalier. Pouah, c'est grand, ils ont tout refait, donc ça c'est l'avantage. Donc pour ceux qui veulent faire du vélo, tout ça c'est bon. C'est carré, tout ce qui est musculation, il y a tout. Sincèrement, et puis là le petit coin sympa. Bon, moi c'est le petit endroit que je préfère. Oh là là. Ça c'est plus pour la fonte, pour pousser pour l'été. Je laisse imaginer que quand c'est la reprise, ben, il n'y a pas forcément besoin. Mais quand faut aller voir les filles et tout, bah faut des trapèzes, faut des triceps correctement, tu vois. Tu vois bien, tu comprends. Donc là, c'est petit exercice, donc je le fais, c'est pour mes ischios. Parce qu'en fait, si tu préfères, on m'a enlevé un bout d'ischio pour me le rattacher là. Donc en gros, il manque un bout d'ischio. Donc c'est parti, on fait un peu d'ischio. Je mets pas beaucoup au début, je fais à une jambe. Tac. Donc ça, faut faire attention de bien aller vite là et relâcher toutes. Puis relâcher doucement. Comme nos jambes sont chaudes, je fais un petit peu ça. Tu vois, je viens renforcer un petit peu toutes mes jambes, tout ce qui est autour. Les mollets, ça je verrai, mais je les ai déjà fait donc avant-hier. Donc je vais pas aller les refaire, mais voilà. J'essaye de bloquer là, et voilà. Voilà, oh, c'est bien. Celle-là, c'est déjà plus facile. Maintenant, c'est celle qui n'est pas opérée. Allez. Je vais essayer de faire l'exercice en faisant genre que je travaille pas.
dirais plutôt que j'ai envie de faire caca. J'ai chié sur le tapis. Qu'est-ce qu'on peut être bête? Qu'est-ce qu'on peut être bête? Donc ça au début c'est une horreur. Franchement, ça crépite dans le genou. Je sais pas si vous entendez. Attends, je vais vous faire écouter. Voilà le bruit que ça se fait. Un genou malade. Au début ça pique de ouf et après ça va mieux. Peut-être parce qu'il faut que ça s'échauffe, je sais pas. Là, je fais les deux jambes et après quand je monte là, je relâche une et je descends sur une jambe. Et je remonte avec les deux. C'est de l'excentrique, il me semble que c'est ça. Et je pousse. Et je pousse. Et voilà. Bon la team, j'ai pas mis le petit cache donc la qualité va pas être au maximum. Mais du coup vous avez vu, on a fait les petits échauffements au début, après on a fait les legs directement. Donc voilà, ça permet de me sentir bien déjà mentalement. Déjà je vais être plus serein dans mon attaque. Soir j'ai entraînement, donc je vais essayer de suivre bien les petits trucs. Et puis voilà, il faut bosser, de toute façon on n'a pas le choix. Tête à l'arceau, c'est l'objectif les gars. Il faut la tête à l'arceau. Et juste avant, je vais direction le podologue parce que voilà, comme il y a le genou qui gonfle, j'ai besoin de semelles déjà depuis longtemps, je les ai faites. Mais là, ça fait un an et demi, faut que je refasse les semelles, faut faire un check-up. Alors on va revoir les semelles. Et puis c'est parti. Semelle orthopédique, grand-père, 60 ans. Attention, j'ai une jambe plus courte que l'autre. 1 mètre. Je m'enflamme. Allez, on passe sur un dip. On fait comme tout à l'heure. On n'arrête pas ta balle. Donc ça c'est le jeudi. Maintenant la place au vendredi. Le vendredi c'est important parce que c'est la veille du match. Donc là généralement ce que je pense à faire c'est prendre au moins 2 litres d'eau. Voilà, ça c'est important pour que mes muscles s'hydratent, tu vois, que ça boit bien bien. Tu vois quoi? Pour qu'ils disent waouh, c'est super ce que tu m'as donné, de l'eau et pas du sucre, tu vois. Non, en tout cas je pars dans un délire, mais il faut au moins 2 litres d'eau, 1,5 litre d'eau en tout cas le vendredi, et puis bien espacé. Tu bois pas tout parce que t'es en retard. Voilà. Ensuite alimentation bien importante la veille. Donc là je me fais des petits plats. À midi je vais me faire un truc à base de pâtes complètes avec tout simplement des légumes. Et puis le soir il y aura pas de pâtes complètes, surtout pas avant de dormir. Et puis voilà, je vais m'étirer également aujourd'hui, donc petit étirement. Voilà, donc ça qui va me durer une heure et demie d'étirement, puisque voilà, c'est très important, surtout moi avec mon genou. Et puis ensuite, ben là, je vais aller retourner à la salle pour rebosser les jambes, rebosser les legs, parce qu'il faut pousser encore plus. J'ai pas envie d'avoir de douleur, j'ai pas envie d'aller voir les gens et leur dire « Oui, je suis moins bon qu'avant parce que je me suis fait les croisés. » J'ai vraiment pas envie de ça, je veux que ça sorte de la tête. Il faut que je me donne, que je donne tous les moyens que j'ai pour réussir, pour plus avoir de douleur, pour sauter encore plus haut et pour tenir ce que je vous ai dit, l'engagement. Donc déjà d'une, de monter en M2, mais également tout simplement de toucher l'arceau avec sa tête. C'est mon objectif depuis longtemps et je veux le réussir. Si vous avez un objectif, vous allez le réussir, il n'y a pas de souci, mais il faut mettre tout en œuvre. Et là, je mets tout en œuvre et je filme avec vous également. Donc voilà. Et à la salle, au mieux d'aller vous refilmer tout ça, je vais faire à peu près pareil tout simplement que le jeudi. Donc ça ne sera pas intéressant de vous montrer tout ça. Voilà mon gars Kevin.
préparation. Parce que si, s'il le fait pas, franchement, on n'a rien. On va arriver avec nos... T'as compris? Bah, je sais pas. Je vais mettre une petite mignonne. Mais là, c'est bon. Dinguerie. Élastique, ça suffit là. Ouais, ça c'est bon. Petit élastique, ça c'est pour échauffer tout ce qui est là, là. Pour moi, qui est important. Ça pour écraser les muscles, local, proprioception. Mais bon. Petite poêle de massage. Ouais. On met sous les pieds, ok. Excellent. Ceux qui veulent la mettre ailleurs, ils peuvent. Ouais, ouais. Tu as déjà mis où toi? T'avais fait un record, je crois. Ah. c'est la nuit, ça contient un extra fort. Ah, voilà. Ouais. Les gars, let's go, on est dans le minibus là. Moi, je suis sûr. Timal, t'as pris le Uno? Ouais. Paraît-il que j'ai vu là sur Insta, t'as le plus 2 et le plus 2, tu peux pas les enchaîner. Apparemment. Apparemment. Et toi, José, tu dis quoi sur le plus 2 et le plus 2? Ah, gars, je connais rien. Vas-y, Kevin va me montrer. Hein. Vas-y, on va faire 2-3 games parce que la route va être longue. Hein. C'est le coach qui conduit. Les cartes que vous mettez, j'espère qu'il va bien conduire parce que l'année dernière, il s'est pris 6 amendes. Mais bon. 6 amendes? Ouais, 6 amendes, le coach. Il roule comme une flèche. Il dit, les gars, vous courez pas assez sur le terrain. Moi, je file, quoi. Ça va, Hugo. Je suis énervé. 1, 2, 3. Hugo, tu. Vu les entraînements, tu l'annonces comment, toi, le. Le match? Le match. Victoire. Victoire. On verra. En tout cas, on va se donner. On n'a pas le droit de perdre, en tout cas. Premier match, ça fait un an qu'on n'a pas joué. Gros. On y va pour les défoncer. On a rien oublié, tout le monde. Tout le monde a son maillot, c'est basket. Je connais un, une année, il a oublié ses baskets. Ouais, mais ça va qu'on me les avait passés. C'est vrai que j'avais oublié mes baskets. Là, voilà notre serbe. Attention. J'aime bien quand même. Faut être sage. Ouais, il va encore piquer, mais bonne hygiène. Ça change des kebabs. Voilà, ça c'est les fesses d'un serbe. Merci. Voilà. Allez, je sais pas si vous connaissez. Ils disaient porte d'Alsace, j'en sais rien. Moi, je me suis défoncé un petit paquet de graines. Voilà, parce qu'on est tout bon. On va voir notre petit joueur blessé. Ça va, go. Ouais, ça va. Il sait pas encore ce qu'il a au genou, mais... Ouais, je suis assistant maintenant. Mais en tout cas, il avait déjà eu les croisés. Il s'est retordu le genou. Ouais, c'est les croisés, chier. C'est pas grave, on va aller démonter la salle. Voilà. On va avoir des cuissards comme ça, mon bonhomme. Et après, tu parles à tout cas. Vas-y, parle à tout cas, je le démonte. Il s'entraîne trop bien. Ça y est, comment? Mais y a pas besoin de masque. Y a pas besoin de masque. Les gars, je suis sûr que je rentre sans masque, on me dit rien. Regardez. On va voir. Je pense. Oui. Ah, vous en avez pas un en... On les vend 95 centimes. Oh vache. Bah, je vais voir de mon côté. Ah, bah les gars, faut le masque. Bon, les gars, faut un masque. Derme là, tu vois, qu'il faut arroser. Ouais, c'est pas, t'es pas sérieux, il y a des toilettes là-haut. Ah non, je regardais le paysage, non mais merde. Les gars, je t'ai couché à quelle heure hier? Hier? Pas très tard, 23h30. Je travaille ce matin. Ah mince. Ah, donc, du coup, moi, je suis pas la bagarre, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis joueur de basket. Donc, bah, c'est bon, on verra. Ah, ouais, j'ai amené mon dentier et puis. Ouais. On verra ce bon, bah, ça va. Voilà. Ah, tu m'as fait mal. Ah. Je suis pas prêt pour le match. Il est pas prêt. Du coup, j'ai pas de passe sanitaire. Oh putain, moi, je vais voir Dejan. La banane, elle est fatiguée. Il aime bien les serbes, les bananes. Et tu t'es couché à quelle heure hier? Hier, je me suis pas couché. Oh gros, t'es sérieux? T'as été quoi au Babylone, à la Numba? J'étais à New York. Oh, ça c'est pas sérieux. José, tu t'es couché à quelle heure toi hier? À quelle heure je suis allé au lit? Ouais. Je crois à 22h, je crois. Et à la défense, ah, c'est un gars qui, tu vois, il a envie de gagner aujourd'hui. Bah oui, et toi, t'es allé au lit à quelle heure? Je crois en vrai 23h30 minuit, ouais. Ouais.
Ah, j'ai débordé quoi. J'ai joué fou ouais. Après, si t'as fait la grasse matinée, tu vois, tu rattrapes. Non, j'avais l'entraînement des enfants à 10. Ah bah oui. Mais bon, ça va, je me suis assis sur la chaise. Même pas moi, on a le ballon joué. Le coach est sorti hier. Non, je suis pas sorti. Bon, vas-y, je vais manger. Ah, je vais vous montrer. Je vais manger deux trois petites graines là. Vas-y, moi aussi, je vais pas. C'est vrai que j'ai acheté deux trois trucs. On va parler de mon sac. Les gars, s'il vous plaît, faites quelque chose, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Déjà, les gars, s'il vous plaît. Regarde mon sac. Est-ce que je peux, les gars, je sais pas, trouvez-moi un partenaire, un sponsor. Mais là, ce sac-là, les gars, il est craqué, je ressemble à rien. Oh non. En vrai, j'étais pressé. Eux, ils ont des chars. Regarde, Jordan, ils vont se dire YouTube, ça paye pas. Hein. Regarde, oh le sac là-haut. Non, c'est pas possible. Non, mais moi, il me faut un beau sac. Regarde, petite carotte râpée, mon frérot. Téma, comment c'est beau. Franchement, les gars. Non, là, je vais grailler bien, ils vont prendre des sandwichs, non, non. Mais frérot, là, les frérots, je vais aller grailler bien. Oh là là, je vais grailler ça. Hein? Ouais, c'est dans le sac. Marteau de massage, prends-le, ouais. Tu vas redunker pour la fesse. Toi, ça, c'est les anciens Red Bull. Vas-y, décolle avec ça. Café, Red Bull. Ça vlog. Ouais, je fais, regarde, petite salade. Franchement. Crevettes, carottes, au calme. C'est mieux, hein. Regarde-toi. Je suis sûr qu'hier, elle a montré ta pose, t'es gay. Oh, la mauvaise langue, t'as entendu? Hier, il a pas filmé. Hier, t'es au tacos, hein, les gars. Lendemain, faut manger des carottes, les gars. En 3 ans, ça veut pas que je te vois manger ça, Jimmy. Ah ouais, maintenant, obligé. L'amour est dans le pré. Dejan Radojevic, 45 ans, amoureux de la nature. Recherche quelqu'un. Oh oui. Quelqu'un qui pourrait tout simplement aimer son parcours sportif. Aimer tout simplement sa façon d'être très proche de la nature. Dejan, avant le match, aime tout simplement se ressourcer avec les pissenlits des prés. Oh, sur l'air de repos. Quel plaisir pour Radojevic. Ah, ah gars, tu me dead. T'es en train de manger de l'herbe. Les gars, la petite salle, franchement, celle-là, dites-moi en commentaire si vous la connaissez, vous avez déjà joué là. Mais j'espère qu'elle est bien. Moi, j'ai un sac craqué. Regarde mon sac. Toi, regarde encore. Bah, moi, ça fait 15 ans. 15 ans. Ouais, j'ai eu quand je joue aux Lakers. Ah, regarde. Tu joues aux Lakers. Ah oui, d'accord, c'est ça, je me disais, le signe. Mais au début, je crois que c'était le signe du Détroit Gibraltar. Ouais. Ouais. Ah, mais j'ai peut-être joué aussi là-bas. Ah, au Détroit, oui. Ça joue bien. Détroit ou Gibraltar. Sortez les passes. Passe à l'éther. Je vais juste m'installer pour vous contrôler, vous me permettez. Je savais. 5 secondes. Enfin, non, un peu plus que ça. Ah, vous voulez vous mentir, là, déjà. Toi, avant le match, tu regardes quoi? Avant le match? Attends. Il y a des gens qui se motivent, regardez. Avant le match. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Voilà, avant le match, c'est quoi c'est cette vidéo? Vidéo de motivation sur YouTube. Ah ouais. John Wall, mon gars. Vas-y, je vais regarder une petite vidéo. Franchement, j'avoue, ça fait longtemps. Ah les gars, on est arrivé enfin. Là, les gars, la petite salle. J'espère que le parquet va être bien amorti. Et qu'il y aura du public. J'espère. Let's go, les gars! J'espère qu'il y aura des filles aussi. Ça, c'est mieux quand il y a des filles, quand même. Parce qu'on joue mieux, on court plus vite. Ah, c'est pas là, les vestiaires. Je suis trompé, j'étais aux toilettes. Ah oh ouais, c'est stylé, les couloirs. Les gars, merci. Ah ouais, c'est stylé. Basket, Paulini jouera. Nous, on a un plan B. On est marqué où? Qu'est-ce qu'il va y avoir écrit quoi, nous? Il y aura un logo. Nous, il y aura un logo. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que... Je suis beau, là. Ah. T'es mort. Voilà, avec mon sac propre, hygiène, hop. Au cas où, c'est un caca par terre. Je vais vous montrer vite fait la salle, franchement. Propre.
Non. Franchement, c'est propre. Écoute, il n'y a pas les paniers, donc c'est un peu chiant. Hein ? Allez. Je sais pas si vous imaginez, mais là, je joue un match. Je vais jouer un match, les gars ! Je vais jouer un match, ça fait un an, tu vois, t'as compris, on n'a pas joué rien. Là, je vais jouer mon premier match, j'ai l'impression d'être en mini-basket, c'est énorme. Eux, les autres, c'est normal pour eux, ouais, premier match de saison. Bah, c'est pas normal, les gars, c'est bien, on va voir. Thank you.
Oh les gars, ça fait plaisir. Ouais, franchement, on met le score, on est beau, on a été bon, très très bon les gars. Ça fait vraiment bien bien plaisir. C'est, je vous ai dit, de toute façon faut qu'on monte, faut qu'on ait un ton au-dessus. Je vous montrerai un peu les défauts et un peu tout ce qui allait, ce qui allait pas. Et je pense que ce que voilà, faut que moi je reste encore à progresser. Le genou, bon, c'est une bonne sensation, franchement c'est positif, faut pas lâcher. Faut que je continue à y aller tous les jours et puis ça va le faire. Ça va le faire. Les gars, victoire ou pas ? Victoire ! Ok les gars, ok ! C'est pas la dernière. Ce qu'on fait les gars, c'est bien les gars. Ouais. Franchement les gars, la vérité, ce qu'on fait les gars, on peut s'asseoir. Parce que y a combien de judo, il y a beaucoup d'équipes qui vont venir gagner ici. Voilà. D'accord ? Donc, comme dit Vincent, on va s'arrêter, on s'en fout pour l'instant, on profite de la victoire. Décembre, c'est dans une semaine, on s'en bat les couilles. Hein. D'accord ? Ok les gars, allez, c'est bien. Merci. Vous avez vu Dayan là ? Faut pas s'énerver. À la fin, il met des paniers clutch. Ouais, à la fin, il met des paniers. Donc un match c'est 40 minutes les gars. C'est long. Hein. Donc c'est pas parce qu'on fait. C'est pas parce qu'on fait 3 fautes au début qu'on est un peu dans le trou. Ah, le match il est long. On a besoin de tout le monde jusqu'au bout. D'accord les gars. Non, pas vraiment. J'ai vu plus que des Dayan, pas la tonne. Bon les gars, il tient. Il tient. La tête à l'arceau bientôt, hein. Moi j'espère qu'il y a à manger par contre ici. S'il y a un petit truc à manger. Non, ça va être des petits tickets genre. Toi je vais aller. Pouah ah Capitaine ah ça fait plaisir. Jimmy abonné. Donc il aime bien les abonnés continuer. Il a volité de push des courses Jimmy. Donc Jimmy il a bien essayé de courir mais c'était compliqué aujourd'hui. Je te donne un cas, Jimmy est un sladak dečko. Il y a eu beaucoup de reprises. Voli da jebe. Ouais. Il y a un problème, voli mnogo da jebe. Il y avait problème de boisson sur le terrain mais ça s'est géré avec les packs d'eau. Da, ali ima jedan, ima jako veli kurac. Ouais, fallait courir mais avec un pied tordu, c'était compliqué du coup. Et taj kurac je negde oko 20 cm tako. Et quand il a voulu sortir, il s'est fait caca dessus et du coup, c'est pour ça qu'il est sorti. Ja mislim da Jimmy kako bude odmicala sezona će jebati sve više i više pičku. Mais pendant la saison, il évitera de se faire les chevilles et encore les chevilles.
Da, hvala vam i doviđenja. Vidimo se. Salut, salut. Abonnez-vous. Oui, salut. Alors là, les gars, je sais pas si j'ai bien traduit, mais bon, c'est cousin cousin. Thank you.